On va dans Genèse chapitre 21, au verset 1 à 2. Nouvelle Bible seconde, il dit, le Seigneur intervient. Le Seigneur intervient en faveur de Sarah. Virgule. Comme il avait dit, le Seigneur agit avec Sarah selon sa parole. Sarah fut enceinte et donna un fils à Abraham, c'est-à-dire à Sango, dans sa vieillesse au temps fixé. Donc Dieu lui avait parlé. Point. On vous dit ici que le patriarche Sango, Abraham, a eu un enfant. Vous voyez, a eu un enfant, c'est-à-dire sa femme Sarah lui a enfanté un fils. Bon, Abraham a eu plusieurs fils, mais ici on va parler d'un fils spécial, c'est qu'il y avait Ismaël. Je ferai peut-être une vidéo sur Ismaël si le Tout-Puissant le voudra. Mais ici on va parler. Donc, dans Genèse chapitre 21, au verset 3, Bible à la colombe, il dit, Abraham appela Isaac, le fils qui lui était né, celui que Sarah lui avait donné. Isaac engendra Jacob, c'est-à-dire Tindi. Donc Isaac engendra Tindi, Jacob engendra les 12 fils d'Israël. Vous voyez, Isaac a engendré Jacob et Jacob a engendré les 12 fils d'Israël. Vous voyez, les 12 fils d'Israël. Mais remarquez ici que quand le patriarche Abraham, c'est-à-dire Sango, était à son époque, il y avait déjà d'autres tribus africaines, il y avait déjà des Noirs qui connaissaient déjà le Dieu véritable et la marque de la circoncision. Et ça, on va vous le démontrer durant l'enseignement. Bon. Pour ça, je vais dans Exode. Vous voyez? Donc, quand Abraham a eu un enfant, remarquez ici là, que plein de gens qui pensent que Abraham était un blanc, parce qu'il n'avait pas été circoncis étant jeune, il était circoncis en 99 ans. Vous voyez, vous allez voir comment ces gens de personnes sont réellement dépourvus d'intelligence, sont dépourvus de l'esprit du divin, ou bien même de la notion géographique, ou de la notion même de la spiritualité africaine. Pour ça, on va faire une petite pause et essayer un peu de raisonner. À supposer un peu un seul instant que ceux qui croient à cette notion de la spiritualité africaine sur le peuple bantou, que c'est eux qui ont le pouvoir, que c'est eux qui ont, bref, toute la spiritualité, sont ceux qui ont compris les mystères cachés par une langue bizarre. Bon, on sait d'où le peuple bantou vient. Le peuple bantou vient des 12 tribus d'Israël. Remarquez attentivement que si le patriarche Abraham était un blanc, forcément Isaac aussi serait blanc et Jacob aussi serait blanc. Et si Jacob était blanc et qu'il a mis au monde les 12 tribus d'Israël, les 12 fils, forcément ils seraient aussi des blancs. Soit si ce Jacob avait eu des femmes, on va dire noires, mais les 12 tribus d'Israël seraient des métis. Alors, pourquoi quand les missionnaires sont arrivés en Afrique, au premier siècle, ils ont apporté la Bible, ils ont apporté ces Bibles modifiées, ils ont trouvé déjà le peuple bantou. Le peuple bantou, on sait qu'ils sortent des 12 tribus d'Israël. Mais il n'y avait aucun métis parmi eux, il n'y avait aucun blanc parmi eux. Vous voyez? Il n'y avait aucun blanc, en tout cas de cette génération-là, de cette descendance-là. Ça n'a rien à voir avec d'autres qui ont commis l'hybridation plus tard. Ça, on ne parlera pas ici. C'est là où vous voyez que ça ne tient pas la route, cette théorie. Parce que si Abraham était un blanc, les bantous qui sont en Afrique seraient tous des métis. Ils auraient le sang mélangé, il n'y aurait même pas un noir 100% noir. Donc déjà, ça ne colle pas. Ça colle pas déjà. Mais bref, comme moi, quand je parle, je donne toujours les versets bibliques. Pour ça, on va dans Exode. Exode chapitre 2. Exode chapitre 2, au verset 1 à 2. Il est dit, un homme de la tribu de Lévi avait épousé une femme de la même tribu. Point. Elle devint enceinte et elle enfanta un fils. Voyant qu'il était beau, elle le cacha durant 3 mois. Là, c'est selon la Bible. Et ce fils-là, c'était Boussi, c'est-à-dire Moïse, Moïse. Dans Hébreux chapitre 11, au verset 23, il est dit, Hébreux 11, 23, il est dit ceci. C'est pas la foi que Boussi, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'il ne craignait point l'ordre du roi.
Et ce bout-ci, vous avez compris ici que ce bout-ci là, Moïse était aussi noir. Je l'ai déjà démontré, je vais encore le redémontrer ici. Parce que bout-ci lui-même était un Lévi. C'est-à-dire, il sortait de la tribu de Lévi. Et Jacob, c'est-à-dire Tindi, avait 12 fils et une fille. Donc Jacob n'avait pas que 12 fils, c'est-à-dire 12 enfants, il avait 13. Il avait une fille qui se nommait Dina, qui était une fille. Et les autres garçons, c'était des. Ce sont ses fils. Donc, et Boussi, c'est-à-dire Moïse, lui, il est sorti de la lignée de Lévi. Et Jacob avait un enfant qui se nommait Lévi. Et Moïse, on l'a confondu avec un Égyptien. On l'a pris pour un Égyptien dans Exode chapitre 2 au verset 19. Elle répondit, c'est-à-dire quand il a fui, il est arrivé dans le pays de Mandian. Et dans le pays de Mandian, c'était aussi des Noirs. Est-ce que vous comprenez? Vous allez voir, vous allez comprendre. C'était aussi des Noirs. Actuellement, même en Afrique, quand vous voyez peut-être les Sénégalais, il y a d'autres des Sénégalais, il y a d'autres peuples en Afrique. D'autres sont plus noirs, plus foncés que d'autres. Vous voyez? Mais ça reste toujours des Noirs. D'autres sont peut-être un chocolat, un peu tout petit peu clair. D'autres, il y a des peuls, il y a ceux qui sont vraiment bien foncés. Et ici, dans Exode chapitre 2 au verset 19, il est dit, alors, répondit, parce que quand Boussi est arrivé dans le pays de Mendiant, il y avait déjà un sacrificateur là-bas, Jétro, dont ce sacrificateur connaissait la loi. Et il avait une des filles qui s'est mariée avec Boussi. Mais avant ça, il est dit, elle répondit, un Égyptien nous a délivrés de la main des bergers et il a même puisé de l'eau et a fait boire le troupeau. Point. Et a fait boire le troupeau. Donc, on vous dit ici là que quand on a vu Moïse, on l'a pris pour un Égyptien. Et maintenant, certains qui n'ont pas de connaissance, qui ne sont même pas assis dans les Écritures, qui n'ont aucune notion de la spiritualité, même africaine, vous disent qu'on a confondu Moïse. Je vais utiliser le nom de Moïse pour que vous puissiez mieux comprendre. On a pris Moïse pour un Égyptien parce qu'il fuyait de l'Égypte. Donc forcément, il avait encore les habits égyptiens sur lui. Bon, mais avant ça, vous allez aussi comprendre que dans Luc chapitre 1 au verset 5, Bible d'Orsteval, il est dit, au même temps, au temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie du rang d'Abias. Sa femme était de la race, d'Aaron, elle s'appelait Élisabeth. Élisabeth aussi était une Lévi parce qu'elle descendait directement de la lignée de Boussi et d'Aaron. Et Marie, c'est-à-dire Eyoumé aussi était une Lévi selon la chair. Et Christ aussi descendant de Lévi, mais spirituellement, il était de Judas. Bon, ça, je ferai une vidéo sur ça si le Père le veut. Donc, c'est pour ça qu'il est dit dans Luc chapitre 1 au verset 36, Bible des peuples. Sache que ta cousine Élisabeth a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse. Donc vous voyez ici là, on s'adressait à Eyoumé. Élisabeth c'était aussi sa parente, c'était sa cousine proche. Elles étaient de la même race. Donc à tous ceux, à ces ignorants, à ces mboka qui disent que on a confondu Boussi, c'est-à-dire Moïse pour un Égyptien parce qu'il fuyait l'Égypte, il avait porté des habits égyptiens. Vous voyez ici que votre thèse ne coule pas, ne tient pas la route. Parce que Paul de Tarse lui-même, bien des années plus tard, des centaines, des milliers d'années plus tard, on a aussi confondu Paul avec un Égyptien. Or, selon la Bible, les Égyptiens ne dominaient pas à cette époque. Vous voyez? Bref, donc ici on vous dit, Actes des Apôtres, chapitre 21, verset 37 à 38, il est dit, comme on allait le faire entrer dans la forteresse, Paul dit au commandant, deux points, m'est-il permis de dire quelque chose? Il répondit, tu sais le grec, tu n'es donc pas l'égyptien, qui, voici quelques jours, a soulevé et a entraîné au désert 40 000 bandits, point d'interrogation. Donc Paul était là, il était debout devant la forteresse. Bref, il était debout devant la forteresse, et cet homme-là, ce commandant, observait Paul. Mais quand Paul s'est mis à parler le grec, le commandant lui dit, mais n'es-tu pas cet Égyptien? Parce qu'on a confondu Paul avec un Égyptien, pourquoi?
non pas la, cette, non pas parce qu'il avait porté les habits des Égyptiens, parce que Paul était bien noir, il était foncé, il était bien foncé, et on l'a pris pour un Égyptien parce qu'il avait parlé, parce qu'il s'est exprimé, parce qu'il s'est exprimé, et parce qu'il avait aussi l'accent. L'accent qu'il avait et la façon dont de bien parler le grec, hein, ça a surpris le commandant du mais. N'es-tu pas donc cet Égyptien? Parce que s'il avait, si Paul, on l'avait confondu pour un Égyptien parce qu'il avait porté les habits des Égyptiens, le commandant n'avait plus dit, mais es-tu donc cet Égyptien? C'est parce que la façon de parler, sa façon de parler, son Paul était bien foncé et on l'a pris pour cet Égyptien-là. Et on savait que ces gens d'Égyptiens-là ne pouvaient pas bien maîtriser, en tout cas cette, selon la Bible dans ce passage, ne maîtrisaient pas cette langue-là, en tout cas ne maîtrisaient pas ce grec-là, de cette façon de s'exprimer, en tout cas de parler ainsi, je parle bien par rapport à ce passage-là. Parce qu'on sait que les Égyptiens antiques avaient une très grande connaissance. Donc, Moïse, on l'a confondu avec un Égyptien, non pas parce qu'il portait les habits égyptiens, c'est parce qu'il était noir, bien foncé. Paul aussi était noir, bien foncé. Et tous deux descendent de la lignée des 12 tribus d'Israël. Donc, si Abraham était blanc, Moïse, on ne pouvait pas le confondre avec un Égyptien. Paul, on n'allait pas le confondre avec un Égyptien. Parce que Paul lui-même vient de cette lignée-là. Dans Romains chapitre 11, au verset 1, Bible des peuples le dit. Alors, je demande deux points. Comment Dieu a-t-il rejeté son peuple? Point d'interrogation. Sûrement pas. Moi-même, je suis un Israélite. Moi-même, je suis un Israélite, figure, de la race d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Vous voyez, de la race d'Abraham. Parce que c'était la spiritualité est une question de race. C'est pour ça qu'ici, même actuellement, on dit la race blanche, la race noire. Paul était noir, il descendait directement de la lignée d'Abraham. C'est-à-dire de la race d'Abraham, parce qu'il était bien foncé. Bon, bref. Deutéronome, remarquez ici que à supposer un peu que Abraham soit blanc, on dit qu'il était blanc parce que il a connu la circoncision en 99 ans. À supposant un seul instant encore que Abraham soit blanc, forcément sa lignée serait tous des métis. Serait tous des métis. Ah oui, serait des métis. Ou bien s'il avait pris que des blanches, c'est que tous les tribus d'Israël, en tout cas les Bantous, tous les Bantous seraient que des métis ou bien des blancs. Mais ça ne tient pas la route. Pourquoi? Oh, il y a encore deux passages ici, deux versions qui vont vous montrer que Abraham ne pouvait à aucun moment être blanc, ni Jacob, ni Isaac, ni les 12 tribus d'Israël. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans Deutéronome chapitre 23 au verset 3, pour les ignorants qui veulent rivaliser avec celui que le Père a réellement mandaté. Bon, dans Deutéronome chapitre 23 au verset 3, Bible des peuples, il est dit, et c'est Boussi qui gouvernait le peuple, c'est Boussi qui entraînait le peuple, c'est Moïse, vous voyez, qu'on l'a pris pour un Égyptien, qui vient aussi de la lignée de Lévi, et Lévi qui était un fils, qui était le fils de Yukuba, de Tindi, et Jacob qui était le fils d'Isaac, et Isaac qui était le fils d'Abraham. D'ici, Deutéronome 23, verset 3, Bible des peuples, le métis non plus n'entrera pas dans la communauté de l'Oba. Même à la dixième génération, il est exclu de la communauté de l'Oba. En gros, on dit ici, là, dans cette époque-là, on disait que le métis, donc le métis c'est quoi? C'est un mélange, ça n'a rien à voir avec la nationalité comme on veut faire croire aux gens que si tu es français, tu vas te marier avec une américaine, c'est une sorte de métissage. On parle de métissage ici par rapport à la race. Donc ici là, les métis ne pouvaient pas, que ce soit les métis ou les blancs, que ce soit d'autres peuples, en tout cas de cette couleur, de d'autres qui n'est pas noir, ne pouvaient à aucun moment entrer dans la communauté d'Israël. Ne pouvaient pas, n'avaient pas le droit. C'était interdit, c'était une abomination à ces temps-là, par rapport à cette écriture-là. Donc je relis Deutéronome 23, verset 3. Bible des peuples, le métis non plus n'entrera pas dans la communauté de l'Oba. Même à la dixième génération, il est exclu de la communauté de l'Oba. Bible pastora de Maritsous, il est dit, le métis n'entrera pas non plus dans l'assemblée du Seigneur, même jusqu'à la dixième génération. À supposer un peu, vous voyez comment, quand la parole dit dans Osée 4, 6, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance, et dans Proverbe
19.2, le manque de science n'est bon pour personne. Le manque de science n'est réellement bon pour personne. Pourquoi? Parce que, à supposons encore que Abraham soit blanc, mais ça tient plus la route. Que Moïse vienne, ils disent le métis n'entrera pas. Mais si Abraham était blanc, forcément Moïse serait un métis. Si Moïse est métis, comment il va encore dire, il va porter la loi aux autres Israélites qu'on va peut-être croire que c'était des métis ou des blancs ou des basanés ou peu importe, que mais les métis n'entreront pas. Comment quelqu'un est métis, il va dire les métis n'entreront pas. Vous voyez, ça tient plus la route. Tout simplement parce que c'était des noirs. C'était des noirs. Abraham était noir.